ça. Ah bah non. La gueule, s'il vous plaît. Dire que pour aujourd'hui la détection c'est mort. Ça. Ah bah non. Note pour plus tard. Toujours avoir son détecteur allumé, disque posé au sol, même quand vous vous promenez. Je me rendais tranquillement dans le pré qu'on voit là-bas au fond, enfin qu'on voit la barrière. Et juste dans le chemin, un petit son, alors un petit son, rien du tout, hein, au ras du sol. Et et ben voilà. Et alors, est-ce que c'est une... Non, c'est pas une argent, celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle brille. Superbe. Je vais continuer avec le disque au sol, alors. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça c'est une 10 centimes de bout. On voit très bien l'aigle. Mise au point, merci. Très encrouté, je vais pas la gratter ici. Il y a peut-être une chance que je ressorte quelque chose de joli. On verra ça. Allez, continue. Bon. Les trouvailles se font quand même. Hein. Dans ce trou, un petit pont de sac. Mais allez, merci. Il n'y a rien marqué dessus. C'est un pont de sac probablement moderne. Voilà. Allez, je crois. Beau petit trou bien carré, et dedans j'y ai trouvé ça. Alors ça c'est une petite 20 francs coque, voilà, ouais. Pièce classique, hein. Comme toutes ces pièces là elles sont très jolies. Bon, on va continuer alors. Bien. Alors la 20 francs coque que je viens de la faire juste là, là. Et mais ça ressonne ici. Apparemment c'est là. Mais je vois rien. Je vois rien du tout. Tu veux pas arrêter toi deux secondes là. Ça sonne fort pour une monnaie, ça. Bébé. Ah, c'est pas une monnaie, je viens de le voir. Ouais, super. Ah bah ça, c'est du live. Alors là, putain, ça brille et tout, nickel. Bon, ben voilà, la prochaine fois, débite. Le son était vraiment tout petit, c'est bizarre. Et en fait, c'est petit, quoi. Là, comme ça, ça sera mieux. C'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit.
Ah, je crois que c'est un bouton en fait. On le met comme une sorte d'attache au milieu. Ouais. Je pense que c'est un petit bouton. Bah, c'est toujours ça de pris. Allez. Hop, on continue. Je suis en train de remonter la bordure de ce talus. Et là, juste là. Il y a un petit son. Chut, chut, tais-toi. Et là, juste là, j'ai une petite monnaie. C'est du quoi ça? Ça, c'est du napo, ça. Alors, ta goule. Oui, c'est l'aigle. La peau. Une grosse merde dessus, celle-là. Bon. Deuxième heure pour la journée, quoi. Allez. Zut, on continue. Je continue mon talus. Et ben là, dans la catégorie mes gros ferreux adorés. Une dent de soc. Un beau pieu quoi. Pour les vampires. Allez, on continue. Bon bah j'ai fait l'aller juste dessous le talus, alors je fais le retour sur le dessus. Eh ben j'ai bien fait semble-t-il. Zoup. Hop là. Tac. C'est contre-jour. Allez voir ça. Bon, à mon avis, c'est la même. Ouais. 5 centimes la peau aussi, ça. Ouais, a priori, oui. Bon, ouais, c'est toujours ça de prix. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Ouais, 5 centimes la peau. Et ben allez, je continue mon talus. Suite aux deux tempêtes, mon bonhomme détectoriste il s'est un peu pété ta gueule. Et il en a mis le morceau quoi. Alors aujourd'hui bah, c'est journée bricolage quoi. On va essayer de lui redonner un peu de forme. Allez, bon travail. Alors première partie, je refais le galbe de la fesse sur laquelle il est tombé, qui est bien arrangé. Bon, à l'étape suivante, on va essayer de refixer son épaule parce que c'est en deux états. Allez, je continue. Et hop, il a retrouvé la tête, il a retrouvé son bras, il a retrouvé son détecteur. Ah bah non, pour se faire en pleine face. Ah, nickel. Bon, bah voilà. Allez, à la prochaine.